peux plus de recevoir autant de colis. C'est Superdry qui m'envoie cette fois plein de fringues. J'ai envie de déballer ça avec vous pour vous montrer à quel point je suis stylé. Mais bref, j'ai pas que ça à vous montrer, j'ai aussi regardé. J'ai fait une brocante dernièrement et du coup j'ai acheté plein d'autres fringues que je veux vous montrer. Et j'ai aussi reçu des nouvelles lunettes absurdes. Alors si vous voulez voir, dites-le moi en commentaire et je vous fais la partie 2 des lunettes débiles. Alors on va ouvrir ce colis. On va ça d'abord. Voilà, ça c'était facile. Oh, les chaussettes. Chaussettes. On va les mettre, hein. Bon, j'avais des belles chaussettes, c'est dommage. Waouh, chaussettes de qualité. Bonjour. Ah oh, bah c'est dégueulasse. Et maintenant, un pantalon en velours. Et voilà, waouh, je suis classe. C'est gênant, désolé. Ensuite, j'ai toujours peur d'ouvrir les colis de fringues avec des cutters parce que, imagine, tu l'ouvres et là, t'as le fringue, en fait, il y a une énorme entaille dedans. On va faire ça correctement. Ouais. Tout doucement. Oh là, calme-toi, toi. Alors, j'en ai mis partout. Où est-ce qu'ils sont, les trucs? Je suis musclé, t'as vu? Oh, des caleçons. Alors ça, désolé, mais je vais éviter de vous les montrer en vidéo, hein. Vous comprenez bien, ça dégage. Oh putain, il y a tout qui est tombé, là. Reste là, quand même. Ah, tu bouges plus? Et du coup, il est où, le caleçon? Je bon. Revenez par là, comme ça. Ensuite, des nouveaux caleçons. Bah, c'est pareil, hein. Putain, c'est déjà le bordel partout chez moi. Ah, quelque chose que je peux vous montrer. Une veste. Vous allez voir, j'ai pris un petit coloris couleur pêche. Parce que j'aime bien les couleurs pastel, vous voyez. Vous me dites, est-ce que... Il ouvre le trou. Eh là-haut. Voilà. Oui, magnifique, ma chérie. Bon, faut bien sûr rentrer la chemise dans le fut. Hein. Mais voilà. Et d'ailleurs aussi, j'ai envie de vous dire, ça, c'est rayon femme. Donc vous voyez que c'est un petit peu court. Et donc je m'habille au rayon femme à la plus grande taille. Mais dans le sens où vraiment, s'il y a un vêtement qui vous plaît, on s'en fout que ce soit pour femme ou pour homme. Prenez dans la taille qui vous convient. Habillez-vous comme vous voulez, quoi. Voilà, c'est un peu ça le message. Une deuxième veste. Celle-là aussi, rayon femme. Calme-toi, l'ampoule. Waouh, waouh. Du cuir. Oh. Pourquoi je fais tous ces bruits, moi? Yeah. Je vais faire de la moto. Qui c'est qui veut monter sur mon bolide? Putain, c'est gênant. Ah, j'ai envie de mourir. Il y avait pas d'autres trucs? Ah si, encore une veste. Waouh, je l'ai vachement bien déballé celle-là. Ouais, par contre celle-là elle est vraiment très courte. Je prends même pas le temps d'enlever les étiquettes. Et il est où le trou? Ah ouais, celle-là par contre c'est vraiment très court. Je sais pas, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que ça fonctionne pour un homme ou est-ce que... Ouais, c'est vraiment très court. Au pire, je l'offre à une pote. Oh, un autre pantalon. Ah oui, aussi, en même temps, peut-être que l'un des trucs là, je vais les choisir pour les For You Awards. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une tenue qui peut fonctionner pour les For You Awards. Allez, pantalon suivant. Eh ben écoutez, ce pantalon est plutôt pas mal, hein, bah. Désolé, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais c'est marrant, quoi, va. Pantalon suivant. Il est où? Waouh! J'ai cru que je l'avais déchiré, mais non, c'est la braguette. C'est parti, hein! C'est encore gênant, désolé. Regardez-moi ça, ce bordel. Souhaitez-moi bonne chance pour ranger. Ça ressemble plus à rien. Bon, et bah écoutez, on a fini l'essayage Superdry. Maintenant, on passe à l'essayage de brocante. C'est parti. Regardez-moi ça, cette veste, elle est incroyable. Alors, je vous arrête tout de suite, ceux qui vont dire « Ouais, t'as tué une bestiole !» Non, celle-ci, c'est de la synthétique. Changement de veste. Wouh ! Et voilà la deuxième veste. Alors oui, celle-ci, c'est de la vraie fourrure, et il me semble qu'on m'a dit que c'était du renard, mais c'est de la brocante, donc c'est-à-dire c'est de la seconde main. La veste, elle est plus âgée que toi et moi réunis x2. Donc il faut bien quelqu'un, à un moment donné, l'utilise, histoire que l'animal, au moins, n'a pas été tué pour rien. Enfin bref, je sais pas, à vous de me dire quelle veste vous préférez dans les commentaires. C'est pas tout, attendez, il y en a une dernière qui, je pense, va énormément fonctionner et faire fureur pour les For You Awards. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi cette veste. Alors, le col, peut-être on le met correctement. Oui, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers, mes chers amis? Voilà, du coup, j'ai fait tous les essayages. Si jamais vous êtes intéressé par les produits Superdry, je vous ai identifié la marque. Et par contre, ce genre de produit, vous pourrez pas les trouver, étant donné que c'est de la brocante. Pour vous donner un ordre d'idée, elles étaient à 20 balles. Celle-ci était à 25 euros. 3 vestes à 65 euros. Ça va, quoi. Faites des brocantes, les gars. Faites des brocantes, c'est trop cool, c'est la vie. Maintenant, moi, il faut que je range tout ça.